les locaux sont flambant neufs. À Mazingarbe, ce nouveau cabinet médical accueille un généraliste et deux infirmiers. Un projet très attendu suite au départ en retraite de plusieurs médecins de la commune. Puisqu'on voit que l'offre de santé s'étoffe, on était devenu quasiment un désert médical il y a quelques années. On avait encore trois médecins, deux qui sont partis à la retraite. Un seul médecin, donc l'offre de santé, il y avait des réels besoins sur le territoire par rapport à nos habitants et notre population. Sauf que aujourd'hui, grâce à Filiris et grâce à l'investissement de Madame Bréon, la pharmacienne, on a un cabinet médical qui s'est implanté ici au cœur d'un quartier minier, donc aux Trois Cités, et ça fait très plaisir. Un travail collectif de plusieurs années entre la ville, la pharmacie centrale et le groupe de santé Filiris pour pallier le manque de médecins libéraux sur le territoire. C'est vrai que c'est un projet qui remonte quand même depuis 2019. Il fallait trouver un bon partenariat qu'on a réussi aujourd'hui avec Filiris. Travailler en confiance avec des partenaires, c'est de cette façon-là qu'on arrive à fidéliser des professionnels de santé, ceux qui veulent rejoindre une équipe, qui veulent travailler en groupe, faire de la prévention et puis avoir un travail stable et profitable pour tout le monde. C'est de cette façon qu'on arrive aujourd'hui à recruter des médecins sur l'agglomération de Lanciévin par exemple. Avec l'arrivée du docteur Marianski, la ville de Mazingarbe pallie le manque de soins sur sa commune. Alors le désert médical recule, on ne peut que s'en réjouir, avoir des médecins complémentaires et supplémentaires, puisqu'on avait vraiment un recul et on avait des gens qui s'étaient totalement éloignés, il y en a encore, mais ils sont totalement éloignés du système de santé et forcément la santé de nos habitants se dégrade et c'est ce qu'un maire ne veut pas voir. Le nouveau cabinet médical, situé route nationale, accueillera en 2025 un second médecin généraliste.